Et yo les petits potes, avec une nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car j'ai une annonce à vous faire déjà. J'ai réussi à régler le problème de mon micro, donc là vous le voyez normalement. J'ai plus le bruit de fond comme ça. J'espère que vous kiffez déjà. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. C'est super important, ça me soutient énormément. Et voilà, j'ai juste tout simplement réussi à monter top France, voilà. Je suis plutôt assez content de ma perf, voilà, je suis deuxième de mon clan, si personne n'a rush. Voilà, je suis deuxième de mon clan les gars. C'est assez plaisir, je vais pas vous mentir, donc on va regarder tout de suite ça. Je vais vous montrer une game tout simplement, voilà, alors, oula. What the fuck. Voilà. Voilà, donc je suis 131ème français les tipotes. C'est juste incroyable, voilà, simplement. Voilà, c'est plutôt cool. On va d'ailleurs la prendre en screen. Ah, j'ai oublié ça. Et puis voilà, bah ça fait plaisir. On va juste regarder vite fait. Ok. Donc, je vais vous montrer un petit peu les derniers gameplays que j'ai fait. Ah, yes. Bah, écoute, on va vous montrer un petit peu les match-up. Donc, ce match-up, je pense pas que j'avais le match-up en soi. On va regarder un petit peu les trophées du gars. Bon voilà, j'ai fait pas mal en fait. Bah regardez les gars, je sais à monter à merde, excusez-moi. Hop. What? Allo le jeu. 6353. Voilà, simplement j'ai perdu une game. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va donner les petites cartes. Voilà, tout simplement. On va aller faire un petit défi classique. Voilà, tout simplement. On va tester ce deck GR Food les gars. Voilà, pour kiffer un petit peu un gameplay. Les gars, dès que j'aurai 1000 abonnés, il y aura une petite surprise. Voilà, simplement. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne à vos potes, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà, donc dites-moi si vous avez des idées pour choisir 12 victoires avec, je vais essayer. Voilà. Et dites-moi si vous avez aussi un bon deck pour que je le max, parce que j'ai pas de deck pour l'instant. Enfin, j'ai un deck à max, mais j'ai que 12 épiques à max, et bon, ça va être assez facile quoi. Bon. Dans tous les cas, ça va être facile à DS. Bon, voilà, tranquille. Il a pas l'air de jouer ultra bien. La Faunesse qui va. Rien. Je vais Feuerbar. Hop. Nickel. Le Feuerbar qui bute ça. L'esprit qui va les connecter s'il ne me défend pas. Et je vais pouvoir partir en GR Fondbat tranquillement. On va se rincer avec une Faunesse, bien évidemment. Salut. Ok, il va mettre ça, on va juste guard, les guardos qui vont bien défendre. On va prendre pas mal de dommages, mais c'est pas dramatique. On a un double push, il joue le brise spam les gars, il joue le brise spam. Le nouveau brise spam là, qui est sorti il y a pas longtemps, genre qui est bien chiant là. C'est celui qui spam bien là, tout au pont là, parce que c'est un brise spam tout semble. La méga, est-ce qu'elle va gérer la méga? Oui, évidemment qu'elle gère. Ok, on a mis pas mal de dégâts, on a égalisé les dégâts. On va juste mettre le fût. J'ai raté. Ouais. Bon. On a un GR Foot, faut pas oublier ça. On va juste. Ouais. 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 Allez, l'esprit nickel. L'esprit qui va aller. Hop. Les petits gars pour aller défendre la fournaise. Clairement raté les gardes, hein. Vous avez absolument tous rien vu là. On a mis trop glou. Ok, donc là on va repartir en GR. On va mettre toute la daronne. Puisque c'est ce qu'il faut le faire. Oh, je sais pas parler les gars. Oh, c'est grave. Il faut faire. Ok, la charrette à canon qui va. Allez, trop ma fournaise, on prend 0 dégâts sur la tour. On va baby drag, on va mettre les petits gardes. Ok, on va mettre la méga en plus. Il spam bien là. Ah, c'est kiffant, hein, le spam. Bon, le baby, la méga qui font le taf. Il n'y a pas de problème sur ça. Le baby, j'espère qu'il va tout détruire. La fournaise, les gars, la petite. Ça peut être la fournaise. Le baby qui va les gérer tout ça. Et là les gars, on va lui mettre un contre-push, contre-spam les petits potes, voilà. C'est ma nouvelle devise les gars, le contre-spam. Ah. Allez, un coup. Deux coups. Nice, les petits gardes qui vont aller gérer tout ça.
Allez, let's go. Ok, on va juste fournaise. Ma fournaise, ça fait le taf. Je vais quand même fuir au cas où. Yeah, allez. Et je pense, je vais directement GR. On a un GR food cette fois, je vais food. Je vais essayer de food. Au lieu de mettre toute la daronne derrière. Je vais devoir def. Je peux pas food en fait. Le problème c'est qu'il me laisse pas le temps de food. On va prendre un coup de GR. Ça fait combien de dégâts à food? 264, ok. Ah, on finit pas. Ah si, on finit. Allez, c'est le GG. Let's go. Ça fait plaisir. Première game. Assez tendue, hein, je pense. Je sais pas qu'il y a le match-up, mais c'est assez tendax. Hop, on va aller regarder le profil du gars. Ouais. Pas ouf. Pas ouf du tout. Bon. On va partir sur cette deuxième game, les petits potes. Bon, bah voilà. J'ai même pas besoin de. Ça fait plaisir. On sommes sur Flojo de le club Dorothée. Ok, petite méga Yaku, il faut map tranquillement. J'attends d'avoir 10 pour mettre de la petite fournaise. J'ai la pose à maintenant, comme ça la méga elle prend pas. Elle prend pas les coups des bats. Des bats qui vont se faire défoncer. C'est un tat à foudre les gars. J'ai pas à foudre, ça sert à rien. C'est un tat vraiment à foudre, hein, je peux pas vous mentir. Hop, on va mettre ça. Nice. Faut essayer de défendre un max la fou. La fournaise. On va tenter de faire ça pour pas qu'on ait trop mal. On peut partir en géant royal tout simplement. J'attends de voir ce qu'il joue. On va tenter un petit fresh shoot. Ah. Excusez-moi. Wow. Ok. On va repasser une petite fournaise. Même si on n'est pas à 10 élèves, c'est pas grave. Il a tué beaucoup d'élèves, donc il pourra pas contre-attaque. La fournaise qui va lui mettre la pression, il va devoir mortier def. Ouais, je vais essayer de garder un petit peu en vie mon mortier, ma fournaise. Qu'elle casse un peu les couilles encore. Ok, il oublie de poser les trous. Moi ça me va, hein. Moi c'est ça le fait des Lex. Là, ok. On va baby. On va baby. On va baby plus garde. Le baby plus les gardes qui vont normalement faire le taf. Voilà, nickel. On a pris très peu de dégâts. On joue plutôt bien là le match-up, je pense. Je sais absolument pas ce qu'il joue parce qu'il a pas encore joué de nos conditions, je crois. Ok, le baby. Il va mettre un. What? Quoi? Attends, c'est quoi ça? Ah ouais, il joue mortier, d'accord. Il a joué de nos conditions, mais je l'avais foutu, j'avais oublié. On va électro plus méga qui va aller défendre tout ça. Et on peut directement aller fournaise. L'électro qui va aller gérer cette petite TDE. Et si elle quelque chose, je fous, je pense. Ok, va boule de feu. Allez. Ça veut dire qu'on le rend bien fou, ça. Allez. Alors, on va tenter un petit fresh shoot là. Genre, tout de suite maintenant là. Ah, ça va pas trop marcher là. Allez. On a quand même fresh shoot le T2. J'ai malheureusement pas la fou. Je l'aurai pour la prochaine fois. Et il va amortir. C'est plutôt bien joué. On va refournaise dans tous les cas. J'ai un peu raté ma fournaise. Les esprits qui vont aller détruire tout ça là. L'esprit, c'est rien qui saute, dommage. Au pire, c'est pas grave. On a la fournaise pour aller tempo le petit coup de mortier. Alors, il spam. Allez, on va mettre le petit fût. Le fût qui va détruire les petits fripons derrière. Il va aller en détruire que un, mais c'est pas grave. Le baby qui va aller gérer les bases sous le bordel. On va gérer directement. Je suis prêt s'il met une T2. Allez, une T2 là, Francis. Voilà. On va protéger. Ça, avec ça, on peut mettre le petit fût aussi qui fait plaisir. Hop, nickel. Allez, let's go. Et là, s'il met un truc, je vais tout simplement foudre pour aller prendre cette victoire. Voilà, tout simplement, ça fait plutôt plaisir. Super combat. Voilà, franchement, je pense qu'on est bien là. On est plutôt bien. Ok, no, nice. D'ailleurs, les gars, dites-moi, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, ça me fait plaisir. Pour ceux qui sont là, vous êtes les vrais. Bah dites-moi si le montage est bien d'ailleurs, parce que je vais mettre un peu au montage là, j'ai un petit peu le time pour l'instant, donc il reste 4 jours de vacances là, on va s'y mettre un petit peu, découvert un peu tout ça hier, ouais. Enfin, j'ai redécouvert plutôt, avant je savais faire mais... Ok, bon je pense je vais clairement foutre, hein. Ah, non, 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 oh il joue encore le brispam là, cette guerre, c'est là le brispam mec, on le rencontre beaucoup hein. J'ai baby ici. Nice. Baby qui va faire le taf. On peut être directement fournaise. Voilà.
Je vais faire un mini contre-push. Ok, il va décider d'électro-sorcer. Le petit esprit qui va sauter dans son bagarre. On va tenter de protéger un peu la fournaise. Tac, nickel. On va mettre une méga pour aller gérer ce petit homme. Je vais aller fuir tout simplement. J'ai tenté de pré-shoot l'esprit. On n'a pas réussi, mais c'est pas grave. Un coup. Ah, dommage. Dommage, le c'est pas mort. Ouais. On a pris le dodge de la voleuse, mais c'est pas grave. Donc, comme vous voyez, le GR Food Rider a plutôt bien marché en défi classique. Donc, ça, c'est plutôt plaisir. Ok. Petite fournaise pour aller tempo dès que j'ai 10 d'Elex. Je vais la mettre tout au bas, faut pas qu'il puisse sniper avec l'archer. Même si je crois qu'il peut quand même le snipe s'il le met bien au bord. Et s'il le met là, je foudre. Hein. Let's go. Ah. Ouais, mais du coup, ça fait chier parce que. Ouais, c'était. Oh oui. Oh, ça fait plaisir ça. On va prendre 2 coups de barbare. 3 coups de barbare, ça fait mal. Ok, là, on va partir en GR fond de map. On va tenter de mettre un gros push. Là, ça va être le but. Hein. Allez, petit GR fond de map tranquillement. On va mettre une méga pour aller gérer ça. J'espère que les esprits vont spawn. Ok, nickel. Nice. On va tenter de mettre un gros push là. Normalement, c'est censé être inarrêtable ce push. Hein. Enfin, c'est censé. Genre, c'est pas un deck, faut que tu joues la bourre. Hein. C'est assez chaud à jouer, tu vois. Parce que bon, là en plus, avec le bridge spam. Je sais pas, comme il n'y a pas de PK, en vrai, je pense que j'ai un bon match-up. Donc là, le GR, je pense il pourrait faire son gros retour. On peut mettre un deuxième GR. Là, on envoie toute la daronne, les gars. On envoie toute la daronne. La foot qui aurait pu être bien, là. Ouais. On va foudre, hein. On va foudre. Même si je sais que c'est pas ouf, ma foudre, là. Ouais, en fait, elle était nulle à chier, en fait, ma foudre. Hein. On est tous d'accord sur ça. Les petits gardes qui vont aller gérer tout ça. On a mis pas mal de dégâts. Faut que je retente un push, hein, je pense. Je vais fournaise tranquillement. Tac, mettre ça. L'archer qui rend un peu fou, hein. L'archer qui va pas vous mentir, il casse un peu les couilles. Il les brise un peu. Ok, nickel. Bon, le fût, la méga. Ouah, nickel. Les esprits qui gèrent tout, ça fait plutôt plaisir. On va mettre un baby. On peut remettre les gardes. Il spam là, il spam. Mais bon, nous, on va faire. On va foudre là tranquillement. J'ai pas envie de prendre de risque là. Pas GR. On va tenter de tempo un peu. Ok, il envoie ça. On va fournaise. On va mettre une petite méga. On va même pouvoir mettre un petit fût pour que tout ça revienne en arrière. Oh, j'ai raté. Non, j'ai raté. Jure. Ça va me coûter cher ça. Il a pas de sort, les gars. Faut pas oublier. Ah, oui. Oh, le con. Alors, ça, c'est vraiment con ça. J'ai pas GR. Ça sert à rien. Pas dev dans tous les cas. On va mettre un électro et c'est maintenant où je vais gérer. Oh là. Oh, il vient de faire de la D là. Oh, il vient un peu de forcer là, Francis. Ah ouais, non, là c'est pas ouf. Ok, il est bien raté. Nickel. On peut électro. La méga, je vais en remettre une. J'envoie un petit peu tout ce que j'ai. Je vais tenter de le déborder. Si je spam bien, il y a moyen, il a pas de gros sort les gars, faut pas oublier ça. Et on va aller prendre cette win. On sait Bugs qui a bien joué le match-up. Franchement, il a bien spam. Il a bien eu la bonne pression. J'ai réussi à bien défendre, même si j'ai quand même pris assez cher sur le tour, j'ai pris 2000 dégâts. On va regarder son petit profil assez sympathique, voilà. Voilà, j'ai juste. Ok, bon. Ok les gars, c'est de la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et ciao.